quand j'étais en train d'écrire l'Arabe du futur, mon autre série de bande dessinée que je fais chez À la réédition, j'ai rencontré cette petite fille qui s'appelle Esther, qui est une vraie petite fille, et qui s'est mise à me parler de son quotidien de jeune fille en France. Et j'ai eu envie d'en faire une bande dessinée, en fait, tout de suite, pour mettre en parallèle sa propre expérience avec la mienne, celle que je racontais dans l'Arabe du futur. Moi, mon obsession, c'est de faire des bandes dessinées qui soient lisibles par des gens qui ne lisent pas de bande dessinée. Donc, à partir de ça, moi, mon grand maître en graphique, en fait, c'est... J'en ai plein, hein, mais celui qui m'a appris à lire, en fait, c'est Hergé. Et donc, j'ai toujours recherché, inconsciemment ou consciemment, mais à retrouver cette clarté et la facilité qu'on pouvait avoir à lire une de ces pages. C'est-à-dire, les cases se suivent. Il y a très peu de fantaisie, d'explosion. Tout est fermé, très strict. Et en fait, j'aime beaucoup des bandes dessinées plus explosives, etc. Mais le côté un peu petite case comme ça, j'adore. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. D'un dessin le plus simple possible et le plus expressif possible. Accessible à tout le monde, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est très fidèle à ce que la vraie Esther m'a raconté. Et après, c'est vrai que je suis plus à même d'être... je suis plus intéressé par les moments un peu durs. C'est vrai que... Parce que souvent, on n'en parle pas, on les élude un peu et on... Mais je crois que c'est assez fidèle, ouais. J'ai même diminué certaines choses, j'ai amoindri certains trucs. C'est vrai que quand j'écris une bande dessinée, moi, je pense toujours à... J'ai comme lecteur ma grand-mère, en fait, dans ma tête, qui était une femme qui ne lisait pas du tout de bande dessinée, qui n'aimait pas la BD, qui trouvait que c'était un truc infantile et qui n'aimait pas les super-héros, qui ne comprenait pas l'intérêt. Donc je me dis tout le temps, j'aimerais faire une bande dessinée qui soit lisible, qu'elle aurait pu lire. Voilà. Qui l'aurait intéressé parce que ce serait une bande dessinée longue, avec plein de pages, facile à... qui emporte un peu le lecteur. Voilà, j'essaie vraiment de penser aux gens qui ne lisent pas de bande dessinée.